Chim Chimini Chim Chim Cheree. A sweep is as lucky can be. Chim Chimini Chim Chimini Chim Chim Cheroo. Good luck, we're above when I shake hands with you. Or blow me a kiss, and that's lucky too. Now as the ladder of life has been strung, you might think a sweep's on the bottom most rung. Though I spends me time in the ashes and smoke, in this all wide world there's no happier bloke. Chim chimini, chim chimini, chim chim cheree. A sweep is as lucky can be. Chim chimini, chim chimini, chim chim cheree. Good luck, we're above when I shake hands with you. Chim chimini, chim chimini, chim chim cheree. A sweep is as lucky can be. Chim chimini, chim chimini, chim chim cheree. Good luck, we're above when I shake hands with you. I choose me bristles with pride, yes I do. A broom for the shaft and a brush for the flue. Up where the smoke is all billowed and curled, between pavement and stars is the chimney sweep world. When there's hardly no day, nor hardly no night, there's things off in shadow and off way in light. On the rooftops of London, chim chimini, chim chimini, chim chim cheree. When you're with a sweep, you're in glad company. Nowhere is there a more happier crew than them what sings chim chim cheree, chim cheroo. Chim chimini, chim chim cheree, chim cheroo. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je me présente, je m'appelle Édouard, Édouard le Ramoneur. Un conduit obstrué, une fumée bizarre ou un âtre crasseux, et je suis votre homme. Je me déplace à toute heure pour vous servir. Également collectionneur à mes heures perdues, mais trêve de bavardage, demain c'est Noël et moi j'ai du boulot. Thank you.
Joyeux Noël, Seth. C'est vraiment un très beau Noël. J'aurais aimé avoir un cadeau à t'offrir. C'est déjà fait. Quoi ? T'es ici. Aujourd'hui est un cadeau. J'ai pas besoin de plus. Doch alles nicht, das ist alles süffig
Und habt ihr euch akustet viel? Heute möchte ich immer etwas Neues finden, wenn sie das vorausgeben. Bio, jetzt la Natur. Und der nächste, weißt du, was ist? Hä? Der Crément noch dégagé. Was? Es ist nicht nur richtig, aber sieht man ja wunderbar. Das ist ja ein ganz Affentheater hinter dem Tag. Früher ist das einfach gesehen, 100 Mal, das ist wohl einfacher. Das Leben ist viel einfacher gesehen. Die Leute haben einfach gelebt und haben getrunken den Wein, wo man in Fassung geht, et voilà. C'est bon, c'est réparé. Par contre, faites attention à ne pas jeter les bouchons dans le feu. J'en ai retrouvé tout un sac plein. Yo, t'es sur un petit bouchon. Est-ce qu'elle est en vague parfois, on peut jeter? Non, je vais le garder. Au revoir. Oh. Ah, en fait, Noël, c'est quoi pour vous? Was? Jetzt weiß dann nicht, was Weihnachten ist. Ja, was ist denn das für ein Kaminfeuer? Steckerl und Reich, du? Weihnachten ist der Tannenbaum. Sie ist dann nicht da, der Tannenbaum. Oder noch la tête, Noël. La tête, jetzt rede ich Französisch. La tête, Noël. La Vetuski, se doit, alles, was du dazu gibst. Oder noch geht's los, noch geht's Weihnachtsbrätle, Weihnachtsstolle. Und natürlich, Gürtel wär schon. Sakula Flolle wär schon. Du Säbel, du denkst nur, trinken lassen. Das ist nichts für mich, Weihnachten. Ist viel Flaschen verkaufen. Gürtel Kranken verkaufen, Bonos Tardif oder nicht. Sechs Flaschen erste, zwei Flaschen verschenkt. Das ist gut. Also, au revoir. Au revoir. Ja, salut, hein. Les choses m'ont pris, elle me pose, elle me donne un prix. Je prie les choses, elle comble ma vie. C'est plus je pense, mais j'ai donc je suis. Steve, tu as acheté cadeau pour ta mère? Oui, c'est bon. Et tu n'oublieras pas mon sèche-cheveux vapeur, freezer, coupeur et ma nouvelle montre pour remplacer l'iPad. Oui, c'est ta mère qui nous offre le canapé? Non, c'est mes grands-parents. Tu leur as bien dit qu'on voulait du cuir véritable, pas qu'ils se ramènent avec leurs vieilles fausses bouquettes. Bonsoir, mesdames. Je me présente, je m'appelle Edouard. Edouard Ramoneur, à Conduire Tree, une fumée bizarre ou un être crasseux, et je suis votre homme. Ah oui, bah, la cheminée, juste derrière vous. Tu as pensé au cadeau pour les mômes de ma sœur? Oui, pour Hugo, j'ai pris des Lego techniques et pour la petite, une dinette interactive. J'avais plutôt pensé à un hélicoptère télécommandé, mais c'est ok, ça ira. On n'est pas Crésus non plus, hein. Oui, mais bon, ils nous font toujours aussi de superbes cadeaux. Tu parles de ce pseudo week-end dans les Alpes, très peu pour moi. Je ne dors que dans les 4 étoiles, et elle le sait. C'est vrai que le chalet à Megève était un peu bof. Je puis me permettre que le papier cadeau brûle difficilement. Vous devriez éviter de l'utiliser pour allumer le feu. Il manque qu'on fasse au poêle à granuler. Ah, en fait, Noël, c'est quoi pour vous? Ah, Noël, à part les cadeaux. C'est pour ça qu'on se déplace. Bonne soirée à vous. À vous aussi. Edouard le ramoneur, un conduit obstrué, une fumée bizarre ou un âtre crasseux et je suis votre homme. Je me déplace à toute heure pour vous servir. Enchanté. Je vois que vous avez fait connaissance avec la cheminée. Oui, ne vous occupez pas de moi, je n'en ai pas pour longtemps. Très bien, pour l'instant, mangeons. Alors les enfants, qu'avez-vous fait comme bonne action aujourd'hui? Moi, j'ai rangé ma chambre. Moi, j'ai mangé moins de chocolat. Et moi, je suis allée voir grand-mère. Ah, quel courage! Ça, c'est une bonne action.
coincé là. Tout devrait rentrer dans l'ordre à présent. Oh, c'est vieux tout ça. Je compte les jeter ou les donner. Est-ce que je peux les réutiliser? Pas de soucis. Merci. Et Noël, c'est quoi pour vous? Maman dit qu'il faut aider les autres. Oui, et qu'il faut partager et être gentil. Votre mère a raison. Ah, décembre. C'est le mois de l'entraide et de la solidarité. En tout cas, joyeux Noël à vous. Également. Et 2, et 1, 2, 3, 4. C'est sol, do, sol, do et la mineur. D'accord, c'est pour ça que je m'entendais jouer faux. Ok. Franchement, vous pourriez y mettre un peu plus du vôtre, hein. On ne s'entend pas. En même temps, vous chantez faux. Alors franchement, c'est pas trop grave. Toi, le Saint-Amand, t'as pas demandé ton avis, hein. Tu veux pas t'arrêter deux secondes? On discute là. Bon, écoutez, moi j'ai pas signé pour un groupe de parole, alors je joue. Ça m'énerve, on n'arrive à rien avec vous. Bonsoir, messieurs, dames. Je me présente, je m'appelle Edouard, Edouard le Ramoneur. Un conduit obstrué, une fumée bizarre ou un être crasseux, et je suis votre homme. Je me déplace à toute heure pour vous servir. Hello, la cheminée est juste là. Ça vous ennuie si on répète en même temps? Non, pas du tout. Faites comme si je n'étais pas là. Bonsoir, messieurs, dames. Je me présente, je m'appelle Edouard le Ramoneur.
à conduire occupé, une fumée bizarre ou un âtre crasseux, et je suis votre homme. Je me déplace à toute heure pour vous servir. Ah oui, allez-y, la cheminée est juste là, du coup. En regardant la cour des manches de l'année dernière, c'est la crèche des animaux qui a fait un carton. Je propose que l'on fasse une crèche épique, avec des dragons et des animaux légendaires. Pas mal, effectivement. Avec des chevaliers et des princesses, ça pourrait le faire. On pourrait connecter les figurines à l'application pour qu'elles animent. Ok, ça me paraît correct. Je viens juste de trouver ces vieilles figurines dans la cheminée. Ah, c'est des vieux animaux de la crèche de l'an passé. Jetez-les ou gardez-les comme vous voudrez. Je sais exactement quoi en faire. Je vous ai entendu discuter de Noël pour votre entreprise. Ça doit être une belle occasion pour une entreprise comme la vôtre. Clairement, c'est là qu'on essaie de faire le plus gros chiffre d'affaires. C'est là qu'on peut dire que tout a un prix et qu'il faut en profiter. Sur ce, monsieur, on va vous laisser continuer. Merci pour l'entretien. Bonne soirée. Bon, je vais envoyer un mail au concepteur et je reviens vers vous dès qu'ils m'auront envoyé leur proposition. Dites-leur de faire vite. Ce soir, j'ai réparé cette cheminée. Et tout avait le même problème, quelque chose coincé. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai non seulement débouché toutes ces cheminées, mais j'ai aussi convié toutes ces personnes à aller voir ma surprise en leur donnant du tracteur. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre, la terre. Waouh, c'est sympa ça, regarde. C'est notre ordinateur. Oh, c'est ch'touché, mets ton série au petit bouchon. Oh, ta ch'nou va y chauffer tout le temps le bouchon. Mais qui a fait ça? C'est moi. C'était pour vous montrer ce que Noël signifiait pour moi. Comme personne ne m'a posé la question, je me suis dit que j'allais vous le dire par moi-même. Que tous les gars. Et c'est ainsi qu'Edouard le ramoneur raconta à toutes ces personnes la belle histoire de la nativité. Malgré leurs nombreuses différences, ils avaient tous été rassemblés là et écouté attentivement le récit de la naissance de Jésus, tous en s'extasiant devant le décor que le ramoneur avait fabriqué. Edouard avait ainsi semé une petite graine d'espérance dans le cœur de chacun de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants. L'histoire ne dit pas ce qu'ils devinrent, mais une chose est sûre, Noël aurait été tout à fait particulier cette année-là. Je crois que Dieu agit comme ce ramoneur. Il fait irruption dans notre quotidien et vient transformer nos vies par un grand nettoyage. N'avons-nous pas des choses superflues qui nous entravent? J'entends par là, ne sommes-nous pas endommagés par quelque chose qui coince? Sûrement, mais on ne les voit pas toujours. L'évangile de la nativité que les enfants et les jeunes adultes viennent de jouer sonne comme un roulement de tambour, car le Fils de Dieu est né sur notre terre. C'est ce que rappelle l'évangéliste saint Luc. C'est ce message que l'Église doit transmettre.
Car une église qui vit du Christ, qui se centre sur lui, qui reste à son écoute, qui le célèbre, reste capable de transmettre son message de façon fiable. C'est un défi pour toutes les époques, et peut-être plus particulièrement pour la nôtre. Cependant, souvent nous ne voyons que les défauts de l'Église, et beaucoup de médias ou d'opposants aiment à les surligner en fluo. Mais on oublie de souligner les qualités. Et la principale, c'est que l'Église nous transmet le Christ avec sérieux, avec humour aussi, mais avec fiabilité. J'aurais envie de dire que nous sommes une Église qui a des taches, un peu comme la suie qui recouvre le ramoneur, mais nous savons que Jésus-Christ nous purifie sans cesse. Si moi j'avais un vœu pour Noël, ce serait que les humains reprennent et réapprennent l'espérance. Qu'ils arrivent à croire que l'amour est plus fort que la haine, que l'espérance est plus forte que le désespoir. C'est cette petite graine qui a été semée. C'est mon vœu et ma prière pour chacune et pour chacun d'entre vous, que Jésus-Christ puisse vraiment naître dans votre vie et susciter en vous une espérance que rien ni personne ne peut anéantir.